Bonsoir YouTube, bienvenue dans cette nouvelle VOD, on est sur Inazuma Eleven Galaxy. On continue notre aventure. La dernière fois, nous avions récupéré une Rancor Boots. Enfin, en tout cas, on avait récupéré deux Rancor Boots, techniquement, mais une seule fois... Oh, j'ai dit n'importe quoi. Bon, bref, on avait eu des Rancor Boots. On avait équipé, du coup, notre Circulus, si je dis pas de bêtises. Il nous en manque encore une paire pour notre buddy. Cette fois-ci, bah, on va essayer de la voir, tout simplement. YouTube, j'espère que vous passerez un agréable moment en notre compagnie. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch pour rencontrer les incroyables personnes que vous voyez dans le chat juste ici, qui vous font des petits coucou YouTube et qui, apparemment, vous dit que je mens. Bref. Et puis, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager autour de vous, bien sûr. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Voili, voilou. La dernière fois, c'était il y a 3 minutes ici, c'est vrai. C'est juste vrai, c'est juste la vérité, mais bon, vu que je fais 2 VOD par live, bah du coup, pour YouTube, techniquement, c'était la dernière VOD, et donc du coup, c'était la dernière fois, et donc du coup, c'est toi qui essayes de les remonter contre moi alors que j'ai rien fait. Bah ouais, c'est ça, pour eux, en vrai, c'est dans longtemps, en vrai. Vu que je sors une VOD Inazuma tous les 4 jours, si je dis pas de bêtises, bah du coup, c'était la dernière fois. Tout simplement. Leak ta neige, sinon je te tape. Leak quoi? Qu'est-ce que tu veux que je leak, mon Kenshiro? Qu'est-ce que tu veux que je leak? C'est pour ça, les gens, n'hésitez pas à venir sur Twitch. C'est mon média principal. C'est là où est-ce que je passe du temps avec les gens, etc. De quel event tu parles, mon Kenshiro? Ça a rien à voir avec la SUP. Ça a rien à voir avec la SUP. Si c'est ça que tu te poses comme question, mon Kenshiro. Ça n'a rien à voir avec la SUP, ce que j'ai dit tout à l'heure. Rien à voir du tout. C'est vraiment du pur perso, là, pour le coup. ouais, c'est vraiment du pur perso, là. bref. Big Eleven, bah non. Du coup, non. Je peux pas. Parce que certaines personnes peuvent tomber sur le live et peuvent du coup se dire... Enfin, peuvent du coup être au courant de ce qui se passe, etc. Et il faut pas. Je vais te retrouver, je vais te taper. Ah, ok. Bah déjà, si tu me tapes, et ben, je t'enlève de la SUP. déjà. Bah d'ailleurs, YouTube, j'en profite qu'on parle de la SUP pour vous dire que j'ai une team e-sport Inazuma Eleven Victory Road. N'hésitez pas à venir sur le Discord de la SUP. Normalement, tous les liens sont bien sûr dans la description. Et si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je modifierai ça, bien évidemment. Yes, j'ai perdu la balle comme un golemon. Hop. On va passer par là. Je repasse là, comme ça je peux invoquer avec Astral. Et tirer de toutes... ouais, voilà, il est là. De tirer de toutes mes forces. Avec le White Breath. Et interdit de taper des personnes qui portent des lunettes, c'est vrai. C'est vrai. Bah, je pense, mon wizard, hein. Je pense que ça va faire but. Mais j'étais persuadé, du coup, que cet esprit guerrier-là, qui a fait du 4300, ok. J'étais persuadé que ce totem-là était de type R. J'avoue que j'ai été surpris tout à l'heure de voir que c'était un type bois, du coup. J'étais surpris. Mais bref. Je vais invoquer là, la fusion... En vrai, de vrai, j'ai l'impression d'être de plus en plus efficace là pour faire les buts là. Regardez, là, on est à 25 minutes de la première mi-temps. Déjà 4 buts, 4 buts sur 5. Ah oui, du coup, YouTube, si vous n'avez pas le contexte, on essaye d'avoir absolument 5-0, pas plus, pas moins, pour essayer d'avoir plus facilement les Rancor Boots. C'est une prédiction que mon très cher Wizard nous a faite. Il nous dit... que on va, si on a 5-0, eh ben, on va avoir absolument ce qu'on veut. Et du coup, moi, j'y crois parce que j'aimerais bien avoir ce que je veux. tout simplement. Il a crit. Ouais, il a crit. J'ai vu. Mais du coup, dinguerie, hein. Attendez, 2300, en vrai, ça peut passer, hein. Ça peut passer. Et ça passe. Magnifique. Mais du coup, à ta santé, mon cher l'objet. Enlève tes lunettes et s'il te plaît, premier degré, je veux voir à quoi tu ressembles sans tes lunettes. Y'a pas de soucis. Alors, il est possible, et coucou mon psycho, il est possible que quand j'enlève mes lunettes,
Mes yeux partent un petit peu en couille, tout simplement parce que bah, je suis devenu habitué à porter mes lunettes. Et donc du coup, j'ai plus l'habitude de focus sur des trucs un petit peu plus loin. Donc c'est possible que je me mette à loucher quelque part. Et du coup, voilà. Voilà, je suis sans mes lunettes. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis myope assez vénère. En mode... attendez, je vais essayer de vous montrer. Je regarde par rapport à où est-ce que je suis sur la cam. Genre... À partir de là, je vois clair mes mains. Et à partir de là, je commence à les voir flou. Donc, c'est assez handicapant. C'est pour ça que je porte constamment mes lunettes. Parce que sinon, bah, je ne vois strictement rien. Tout simplement. Je demande le divorce. Pourquoi tu demandes le divorce, mon Seiku? Pourquoi tu demandes? Comment ça? Ça fait bizarre, mais t'es BG dans tous les cas. C'est gentil. Mon Lisa. C'est gentil. Eh, 5-0 dès la première mi-temps, bah là on va juste... on va juste faire tourner la balle, hein, un maximum. Hop. Je sais pas à combien je suis de correction, mais c'est de la myopie. En fait, ce qui est chiant... c'est que... vu que c'est de la myopie, de base, et ben ça fait que, genre, à partir de mes mains... Jusqu'à le trou du cul du monde, et ben je vois flou. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie comment c'est chiant. Donc ça fait littéralement... Merde, ça c'était un fail. Ça fait littéralement que bah, si j'ai pas mes lunettes, bah, je vois littéralement rien. Enfin, peut-être sans lunettes, je vais avoir des cauchemars en The Vie. Bah, ça fait toujours plaisir. Hein. Ça fait toujours plaisir. Merci pour ça, mon Saiku. Hein. Nazuma m'appelle, y'a pas de soucis mon Kenshiro. Y'a pas de soucis, t'inquiète pas. T'as envie d'aller regarder depuis tout à l'heure. Vas-y, amuse-toi. Amuse-toi. Hop. Reviens quand tu veux bien sûr mon Kenshiro. Hop. Hop. On va passer là. Bah. En vrai de vrai, je peux lire, mais il faut que je rapproche. Le manga ou le livre assez proche de ma tête en vrai. Hein. Hop, je résiste. Force mon Kenshiro, force. Mais en vrai de vrai, si t'as envie d'aller voir, va voir. Hein. Va voir mon ref. Hein. T'inquiète, je remets ça quand tu veux, ça m'a fait plaisir. Eh ben super. Mais garde tes lunettes. Écoute pas les rageux, t'as neige, mais garde-les quand même tes lunettes. Hein. Garde-les quand même tes lunettes, hein, parce que t'es quand même vachement moche. Aïe aïe aïe. Tu regarderas la rediff, c'est-à-dire. Si tu fais 99-0, si tu mets 99-0, tu loot 99 boots. Hein. Imagine, genre. Non, vas-y, écoute pas les rageux, t'as neige. Mais remets tes lunettes, tu pues la merde, ça. Par contre, c'est moi où il a fait un 10 000, là. Ah non, ok, j'ai eu peur. Hop, hein. Ah oui, ok, j'avais pas vu que tu parlais à Kenshiro. Oui, c'est vrai, en soi, Kenshiro, tu pourras regarder la rediff, ça, y a pas de souci. Après, je t'avoue, elle sortira pas avant un moment, hein, mais... mais tu pourras regarder la rediff. c'est gentil, mon Kenshiro, merci pour ton soutien. Merci. Alors attends, remets tes lunettes 1000 au lieu de 10 000. J'ai pas capté là par contre mon wizard. J'ai pas capté. Et du coup 5-0, est-ce que ça va nous apporter de la chance? Est-ce qu'on va avoir les Ranker Boots du premier coup sur cette VOD? Et absolument pas. Mais je résiste quand même. Sur Twitch t'as mis les rediffs ouais je crois, je sais plus. Je sais que je les avais enlevés pendant un moment parce qu'il y avait une rediff qui était problématique. Ou est-ce que à base de il y avait mon adresse, bon maintenant c'était il y a un moment donc vous y avez plus accès du tout, littéralement. Sinon normalement depuis j'ai remis les rediffs. Donc ça devrait être accessible. Hein. Ça devrait être accessible. Hop. Hein. Tes infos bancaires, tu gagnes 100 boots. Alors du coup, mon digicode. T'as dit 10K alors que c'était un K. Ouais, j'ai pas fait gaffe. Enfin, genre, j'ai dit 10K parce que je pensais que justement c'était 10K, tu vois. Bouvanez-le. Pourquoi?
Oh, pourquoi? Moi j'ai trouvé ton adresse. Pourquoi faire? Pourquoi les gens me veulent du mal ce soir, genre... Non, bah non. En soi, c'est même pas réellement problématique, ça. Tu sais, mon monkey. C'est pas tellement problématique, hein. Je pense que... Je fais ça, Je m'en fous, tu vois. Si tu fais mes emotes, tu auras tout. Tous les boots. Ah ouais, carrément. Ça, c'est encore une prophétie de wizard. Encore une prophétie de wizard. Oh, je pensais que je le passais dégoûté. Pour faire des poutous. C'est gentil. C'est gentil, c'est gentil, c'est gentil. C'est classique pour toi de lancer des trains de la hype. Ah, mais je viens de comprendre pourquoi. Ah, mais je viens de comprendre pourquoi. Je viens de comprendre pourquoi c'était problématique. Je viens de comprendre pourquoi c'était problématique le truc, le même train de la hype. Je viens de comprendre. Je viens de comprendre, putain. Je pensais qu'en fait c'était juste parce qu'il faisait le Gaulmont, etc. et que c'était rigolo. Non. Non. Non, bah non. Ah. Non. Ah, je me sens trop con. Je me sens trop con. Bah ouais, c'est ça. C'est le geste, en fait. Merde, j'ai pas mis l'esprit... Oh, j'ai pas mis l'esprit guerrier. Un peu chaud, en vrai. Ouais, bah ouais. Comment ça, tu abuses? Mais non, mais... Excuse-moi de pas avoir fait le rapprochement. Par contre, jamais je l'arrête, hein. Jamais je l'arrête. Ah ouais. Bah magnifique. Magnifique, magnifique, hein, j'ai envie de dire. Incroyable. Hop. On va invoquer sur... j'allais dire sur Wizard. Vraiment, je sais pas ce que Wizard fait dans mon équipe, mais apparemment, il en fait partie. Ouah, 10 000. 10 000 dans la tête du gardien. Zdeh. Zdeh. Juste après ce match, je ferai une petite pause toilette, les gars. Je vous ai dit en début de live que j'avais un petit peu mal au bidon. Je vais devoir faire une toute petite pause. Vous inquiétez pas, hein, j'arrêterai pas avant la fin du live. Je ferai juste une toute petite mini pause. Le temps d'aller aux toilettes. Mais juste après ce match-là, vous inquiétez pas. Je vais laisser passer la balle. Ah, j'aurais pu l'arrêter en vrai, c'est dommage. Ah, peut-être là en vrai. Ouais, c'est bon, je l'arrête, magnifique. Magnifique, magnifique. Hein. Moi, je vois pas le problème. Il fait quoi de si grave? Ah, t'es mauvais en histoire. Ah ouais, et tout. Ah ouais, 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 ouais. De ouf, hein. De ouf. Pardon, excusez-moi. 6900, putain. Dès qu'il y a l'avantage élémentaire, il fait plus autant, là, le Siméon. Hein. Il est plus autant à l'aise, là, le Siméon. Hein. Hop. On va passer là pour ensuite passer... Ah, dommage. Non, c'est dommage. Ça aurait pu être pas mal. Tu me fais bailler. Ah bah influenceur hein mon wizard. Influenceur hein. Je suis influenceur mon ref hein. Oh belle récupération, enfin belle. Si on peut appeler ça beau, mais bref. Bref. Merci mon wizard pour ton abat, c'est gentil. Ouh, je commence à avoir mal au ventre là par contre. Mais du coup à ta santé. Ah ouais et tout. Ah ouais, tout. Ouais, il est là pour abattre hein, le Samford. Il est là pour faire des belles valeurs. D'ailleurs, je suis en train d'y penser, mais on n'a jamais fait de critique avec... mes persos qui ont double spirit big move. Enfin, en tout cas, je me souviens pas avoir déjà fait un critique. Je m'en souviens pas du tout, là, pour le coup. Hop. On va faire winning logique. Hors jeu là. Ah non, même pas, ok. On va faire combine. Comme ça on tape. Tu gagnes? Ouais, je gagne. Je gagne mon bris. Mais d'ici quelques instants, je vais devoir gagner aussi contre mes chiottes. Donc un peu chiant. Un petit peu chiant. Là, je finis le match et je peux te dire que je pars en vitesse. Hein. Attendez, on va enlever l'esprit, le totem du gardien.
On va enlever le totem du gardien. Les chiottes de la hype. Magnifique. Et là, comme ça, j'ai juste à faire deux passes, logiquement. Ah, chiant. Il y a peut-être le hors-jeu, non, c'est bon. Et logiquement, la dimensionnelle déluge, avec le boost de Arthur, ça devrait le faire. 2700, c'est pas dégueu. Contre réjection. Ah non, ça passe, ça passe, ça passe. T'es stuff au moins, en vrai, ça va. Ça va, ça va, ça va. J'ai l'armure de PQ. J'ai le sabre brosse à chiottes. Ça devrait le faire, hein. Ça devrait le faire, ça devrait le faire. Heureusement que j'ai drop ces outils légendaires, parce que sinon je sais pas comment je ferais. Hein. Hop. Hein. Après, t'inquiète, hein, j'ai prévu les medics spasfonds, j'ai prévu les medics... non, j'ai prévu le shield de... comment ça s'appelle, Doliprane, ça devrait le faire, hein, ça devrait le faire. Et l'esprit guerrier Skibidi du toilet, exactement. Exactement. Le Miximax Becta, exactement. Pourquoi vous êtes autant inspiré, ça me détruit. Ça me détruit que vous soyez autant inspiré pour du caca. J'ai une grosse potion pour toi si tu veux. Ah, c'est gentil. C'est gentil, c'est gentil. Parce que là, ça commence à être urgent, sa mère. Dites-vous, je fais mes meilleures vannes sur le caca pendant que j'ai mal au pit. En espérant que tu chopes pas le debuff chiotte bouché. Non, t'inquiète. Ah, quoique, ça peut arriver en vrai. Ça peut arriver, ça peut arriver. Aïe. Le qui parle de caca, il a son prime. Vraiment, hein. J'ai jamais été aussi drôle que quand je parle de caca, c'est incroyable. Oui, par contre, ça a failli passer, hein. Le 5-0 a failli être compromis, là. Oh, attendez. En vrai, de vrai. Ah non, putain, dommage. Dommage, dommage, dommage. Il te faut un toilette intégré à ton siège à force. Ouais, mais non, mais... Non, mais ça voudrait dire que je chierais en live, genre... Et c'est là-dessus qu'on va savoir si j'ai des rancœurs boots ou non. Pouah là là, dommage. Dommage, et pourtant, là, on a bien fait le 5-0 et tout, moi. On a bien fait le 5-0 et tout. Bon, du coup, les amis, petite pause. On a une petite pièce d'or, c'est déjà cool, en vrai, t'as raison. T'as raison, mon wizard. Ça nous fait 6 pièces d'or. Petite pause. Toute petite pause. Bon, pour YouTube, vous aurez un cut, hein, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. J'arrive d'ici 5-10 minutes, le temps d'être tranquille. Bah du coup, à tout de suite. À tout de suite, à tout de suite, à tout de suite. Bien sûr, je vous laisse avec le lo-fi. Et re tout le monde. Bon, j'avais anticipé un petit peu plus de temps. Ça va mieux. Ça va mieux, ça va mieux. Alors attends. Tac, tac, tac. Maman, mes chiottes. Ah, ça m'avait demandé de garder le micro ouvert. Après, tu sais, c'est pas connecté à mon casque, hein, donc ça m'aurait pas suivi, tu sais, mon monkey. Ça m'aurait pas suivi. Désolé, mon son a crash, je viens de régler le problème. Y'a pas de soucis, mon Saiko. Pas de soucis, pas de soucis. Marron, wesh, wesh. J'espère qu'il s'est lavé les mains, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, je suis un petit peu... Attendez, hop, je reviens là. Je suis un petit peu à cheval sur l'hygiène, etc. C'est quelque chose qui me dérange pas mal. Dites-vous, il y a des lingettes et tout dans mes chiottes. Donc vous inquiétez pas, ouais. Je me suis lavé les mains. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais, pas avec les lingettes, mais avec de l'eau, du coup, de la salle de bain. Bref, 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 bref. On va retourner sur le jeu. On va retourner sur le jeu. Hop. Hop, je sais plus exactement ce qu'on était en train de faire. On était en train d'essayer d'avoir les rankers. On n'avait pas eu quelque chose de spécial, juste on avait eu pièce en or. Ok. Ok, ok. Bah écoutez, bah, on est reparti. Hein. On est reparti, on est reparti. Mais du coup, ouais, t'inquiète, je me suis... J'allais dire, je me suis brossé les mains. Non, je me suis lavé les mains. Ça, y a pas de débat. Quand même 15 minutes pour faire caca. Ouais, bah ouais, mon brillant, on sait jamais. On sait jamais, on sait jamais. Bon, au final, j'ai eu besoin de 10 minutes. Lave tes mains avec l'eau des toilettes. C'est vrai que c'est plus worth it, hein. C'est ça fait économiser de l'eau, déjà. C'est déjà ça. Hop. Oula, lui, je sens qu'il va récupérer la balle. Bref.
Bref, 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 on invoque avec Apollon. Mais du coup, Apollon qui tape pas aussi fort que ce que je pensais. Je pensais qu'il serait plus intéressant parce qu'il y avait un peu plus de pété, mais bah, Apollon qui pue un petit peu la merde. Hein. J'ai brossé les mains avec le balai à chiottes. Oh, t'imagines. Oh non, 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 non. Non, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Sinon, t'es pas à gauche. Sinon, t'es pas... Ah ouais, d'accord. Oh. Ah ouais. Ah ouais, si tu te laves pas les mains avec, avec la brosse à chiottes, c'est que t'es pas de gauche. Oh. Ah ouais, c'est précis, hein. C'est précis, hein. Et la planète sera sauvée grâce à ton action. Ah ouais. Je pense que je vais moins chier. Je pense que je vais moins chier, comme ça au moins... j'utilise moins d'eau, hein. Ce sera pas mal. Ce sera pas mal, ce sera pas mal. Ah putain, la sword, c'est fort, hein, quand même. C'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Hop, on va passer sur le côté, encore une fois, même stratégie. En vrai de vrai, ce qui est un peu frustrant, je trouve, dans Galaxy, c'est que genre, en deux passes, tu fais tout le terrain. Mais en vrai, je suis en train de me dire, sur VR, c'est la même. C'est la même, c'est la même. De toute façon, ta neige, vote Mélenchon, c'est un traître. J'ai pas voté. Voilà, je le dis, j'ai pas voté. J'ai pas voté, j'ai pas voté. Voilà. Il y a pas de ta neige, il vote ci, ta neige, il vote ça. Ta neige, il a pas voté. C'est... Je me reconnais dans aucune opinion politique, je me reconnais dans rien du tout, donc j'étais incapable de faire un choix, tout simplement. Non, je n'ai pas voté. Non, 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 non. Même si, bon, l'abstentionniste... Bref. L'abstention, c'est pas une bonne chose, techniquement. Il faut voter. C'est quelque chose d'assez important. Je savais juste pas quoi voter, j'avais juste aucune idée d'avec qui j'allais me suicider, tout simplement, donc j'ai laissé les gens décider. Moi je me suis voté, t'as bien raison, t'as bien raison, t'as bien raison. Après, ouais, non, je sais pas. Oula, par contre, attendez, ça c'est chaud, parce que là il a son tir. Ah non, c'est bon, il tape pas, c'est bon, j'aurais pu, je vais pouvoir juste invoquer sur lui, comme ça je me safe. Peut-être, ah, j'allais dire, peut-être qu'il passe de level. Magnifique. Magnifique, magnifique. En plus de ça, on me donne l'esprit guerrier juste là. Mais si, ça, c'est pas magnifique. Hop, on va passer juste ici. Je vais en profiter pour faire Berserk Ray. Pour enlever juste là. Hop. Hop. Magnifique. Execution Axe. Parfait. Le problème, c'est que si tu participes aux prédictions, tu peux pas valider toi-même. Je te comprends. Ah ouais, ça fait des big rapprochements avec Twitch. Ah putain, Monkey, t'es pas con. T'es pas con, bordel. Genre si j'avais voté, je suis assez haut placé. Bon, genre, si j'ai voté, je peux pas participer. C'est une dinguerie. Attendez, on va faire la fusion juste là. Hop, hop, comme ça, je peux taper. Oh, je... Vraiment, 2 millisecondes en plus, je tapais. 2 millisecondes en plus et ça partait et ça rentrait. Hein. Mais vas-y, hein. Par contre, Célia, il s'agirait de se dépêcher. Hein. Je veux depuis longtemps être le maire de mon village. Je dirais pas comme ça. Je suis assez intéressé par la politique, etc. Mais en vrai, moi aussi, assez intéressé par la politique. Alors, pas participer en tant que politicien ni quoi que ce soit. Mais la politique, en règle générale... Bah j'aime plutôt bien, c'est pour ça que je dis je me retrouve dans aucun parti et pas je sais pas qui voter, enfin genre si techniquement je sais pas qui voter, mais je me retrouve dans aucun parti, mais devenir maire, ça m'étonne, Mambri. Ça peut être intéressant, hein. Ça peut être un choix de carrière, tu sais, hein. Ça peut être un choix de carrière. Alors dans un village, bon, ça va être compliqué d'en faire un métier à temps plein, hein, mais maire dans une ville, ça peut être une vraie petite dinguerie, hein, tu sais. D'ailleurs, je sais pas trop comment ça fonctionne niveau système économique. Je sais pas trop. J'ai une ville de Goth, on a eu le droit de vote pour la droite de France. J'ai pas compris. Pour la droite de France? Attends. J'ai une ville de Goth, on a eu le plus de votes. Ah! Ah d'accord, ok. Ok, 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 ok. Je vais donner mon avis politique, bien évidemment. Je dirais pas machin, je suis gauche, machin, je suis droite, machin, je suis centre, je suis libéral, je suis machin, je suis tri.
On va pas partir dans ce genre de truc, mais Mais si ça te convient, écoute, tant mieux, Monkey, si ça te convient. Puis de toute façon, les gars, je suis trop indécis pour voter. Mais bref, ça n'est pas la question. Ça n'est pas le débat. Nous sommes sur Inazuma Eleven Galaxy. Les gars, je reviens des chiottes, ça parle de politique. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui s'est passé dans mon chat? Qu'est-ce qui s'est passé dans mon chat? Qu'est-ce que vous avez fait à mon chat? Je reviens des chiottes, ça parle de politique. Non, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est genre, la discussion par défaut de mon chat, c'est politique. Tu veux reparler caca? Vas-y, vas-y, vas-y. Parle-moi de caca. La dernière fois, j'ai eu une coulante, bordel. On peut reparler de caca, moi, ça me va totalement. Hein. Et je m'y connais en plus, hein. On va passer là. Ouh, ça a failli ne pas... J'ai failli ne pas faire le 5-0 là sur ce match. Là, mon wizard, il serait pas fier de moi. Il serait pas fier de moi. Heureusement, ça passe. Il y a le beau tir de Astral qui fait plaisir. Du coup, c'était quoi ton actuel de tout à l'heure, solide ou liquide? Oh, ah, mon Monkey. Si... Il faut que tu te dises une chose. Je ne fais jamais solide. Mon ventre est une putain de pressoir à aliments. C'est pas possible. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Frérot, ça fait des années, j'ai pas chié dur. Je me suis rendu compte de ce que j'étais en train de dire. Bref, on est sur du 5-0. Est-ce qu'on va avoir de la chance sur les Ranker Boots? Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que ça va passer? Est-ce qu'on va les avoir maintenant? Dommage. Dommage. Ah, mais moi, c'est puant, frérot. Monkey, moi, c'est puant et c'est... Ah, c'est entre les deux, en vrai. Non, c'est marrant. C'est marrant. Ouais, c'est ça. C'est ça, mon Monkey. C'est ça. C'est fou d'avoir aucune limite comme ça de ce que je dis ou non. Enfin, si, apparemment, en politique. J'ai des limites en politique, apparemment. Mais bref. Bref. Hop. J'hésite vraiment à enlever Apollo, du coup, à Vladimir. Parce que je me dis qu'il tapera quand même vachement plus fort si je lui mets autre chose. Ouais, mais par contre, à chaque fois, son Atlas Sword, il passe, frérot. C'est quoi, ça? On va invoquer avec Majin. En vrai, il y a moyen qu'il touche, hein. Ah, dommage. Là, il n'y a plus de quoi... Ouais, mais non, dans tous les cas, je dois faire la technique. Et si, il avait de quoi encore taper. Ah bah, heureusement que j'ai fait la technique. Hop, on va passer là, magnifique. Je crois que je peux enchaîner en vrai avec Vladimir. Je pense que, voilà, je vais faire une passe longue comme ça, et passe sur le côté, bam. Claco, Solar Flare. Non, en plus, Feng Wang, ça lui allait mieux, je trouve, et je crois que ça tape plus fort. Parce que là, il fait du combien? Il fait du 6900? Ah, je dois lâcher la manette. Le truc, quand vous entendez ce son, c'est que je dois lâcher la manette, et du coup, re mon sentinel. Re. Magnifique. Hop, hein. Je pense même qu'il sera en retard. Carrément, Bri, tu pensais que je serais en retard, là? Mais non, ça vote pour mon downfall. Mais non. Là, il y a moyen que je récupère en vrai avec Desert Blast. Non, dommage. Oh, faute! C'était encore jamais arrivé ça, faute sur Fugue Wave. C'était jamais arrivé encore. Étonnant. Étonnant. Magnifique. Bah là, on va faire comme d'habitude. Hein. On va invoquer avec... Putain, à chaque fois, je passe à côté de bannir machin, etc. Comme je vous l'avais expliqué dans des précédentes VOD. En fait, genre, mon écran de... Mon écran du chat est vraiment juste à côté de mon écran principal. Ce qui fait que si je vais un peu trop à droite, genre là, vous voyez sur l'écran du bas, et ben j'arrive sur mon chat. Sauf que sur la gauche
de mon chat écrit. Il y a littéralement les trois boutons bannir, bannir temporairement et effacer le message. Du coup, à tout moment, si vous envoyez un message et que je me foire, eh ben, vous faites bannir. Ce que je trouve est plutôt drôle, mais un peu dommage. Un peu dommage. Attendez, j'ai pas encore tapé avec Shaun. Magnifique. Bon, cette fois-ci, je tape avec qui avec Arthur. Je tape avec qui avec Arthur. Parce que soit je tape avec Shaun, soit je tape avec Sam Ford. Dans tous les cas, en vrai, les deux font à peu près les mêmes stats. Et merci, mon sentinelle, pour ton abord, j'avais pas vu. À ta santé. À ta santé, c'est une santé. Je pense que je vais fusionner sur Shaun. Non, allez, sur Sam Ford pour le plaisir. Pour le plaisir et pour pouvoir améliorer Dimensional Déluge. Je sauvegarde juste après le match, mon Kenshiro. Enfin, je vais essayer d'y penser. Ah, il va me récupérer. Ouais, c'était sûr. C'était sûr, c'était sûr. Oh, je pensais que je l'avais là avec, avec Zugé. Hein. Je pensais que je le passais avant. Dommage. Ça passe, magnifique. Je vais pouvoir passer directement. Très bien, je tire. Il fait du combien d'ailleurs? Ah, il fait du 10 000 aussi. En vrai, ils font la même valeur, hein, les deux. Hein. Shaun et Sam Ford, ils font à peu près les mêmes valeurs. Hein. C'est plutôt pas mal. Hein. Plutôt pas dégueu, j'ai envie de dire. Maintenant, plus je vois Barani et plus je me dis, en tant que défenseuse dans l'équipe, elle va être pas mal du tout. Hein. En fait, moi, mon problème, c'est que j'ai envie de faire trop de choses. Peut-être un problème d'attention, mon Kenshiro. J'ai le même problème. J'ai le même problème à cause de ma période où est-ce que j'étais énormément sur TikTok. Où est-ce que je passais mon temps sur TikTok, etc. etc. Il y a quelques années. J'ai eu beaucoup de problèmes d'attention, etc. Et je sais plus actuellement faire qu'une seule chose à la fois. Genre, si je suis en train de jouer sur Minecraft, faut soit que je sois en vocal, soit que je sois en train de regarder une vidéo en même temps ou un truc comme ça. Genre, je sais plus avoir qu'un seul truc. Si je suis en train de faire du montage, il faut que j'ai une musique en fond. Faut que j'ai... Ou alors une autre vidéo à côté. Tu vois le délire? Ton stream, j'ai envie de regarder Inazuma, j'ai envie de jouer à Valo. Ouais, tu vois, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est pareil. C'est pareil, c'est pareil. Mais ça, c'est... Alors, ça paraît très boomer de dire ça comme ça, mais c'est à cause de TikTok, hein, littéralement. TikTok nous a tous baisé le cerveau, hein. Et moi le premier. Enfin, moi le premier. Comme tout le monde. Comme tout le monde, comme tout le monde. Moi, je sais qu'actuellement, genre... c'est parce que je suis en stream, hein. Mais juste jouer, par exemple, à Inazuma Eleven, j'en suis... Sans rien à côté, j'en suis incapable. J'en suis totalement incapable. C'est juste pas possible pour moi. T'as pas TikTok? Eh ben, je suis un gros boomer. Bah, en fait, c'est parce que moi, pour le coup, c'est à cause de TikTok. Moi, c'est à cause de TikTok. Mais peut-être pas toi, du coup. Enfin, sûrement pas toi, du coup, si tu n'as pas TikTok. Eh ben, continue comme ça. Je n'ai jamais eu ni Instagram, ni Snapchat. Eh ben, c'est très très bien. C'est une très bonne chose, mon Kenshiro. T'as totalement raison. Très très bonne chose. C'est absolument pas nécessaire. C'est absolument pas utile. C'est plus qu'inutile, même. Bon, à part pour moi, du coup, vu que j'essaye de vivre du stream, mais... Mais pour toi, c'est inutile. D'accord. Je fais de plus en plus ça. Je suis de plus en plus le daron moralisateur, surtout avec les gens de la SUP. Genre, je pense à Gozox et tout. J'arrête pas de le faire chier en ce moment avec son rythme de sommeil, avec les cours, etc. Je deviens trop chiant, les gars. Je deviens trop chiant. Je deviens un daron. Je deviens un daron alors que j'ai encore rien fait de ma vie. C'est fou. C'est fou, les gars. Hop. Non, je vais pas taper parce que sinon ça va mettre but et ça va être chiant. Parce que je trouve juste que ça me servira à rien. J'ai YouTube, Twitch, Discord, ça me suffit. Ouais, c'est déjà très très bien. Hein. En vrai, de vrai, tu veux faire quoi de plus avec Insta, avec Snap et avec TikTok? Ça va t'apporter quoi de plus, techniquement? Hop. Après, en vrai, si tu passes ta vie à scroll sur YouTube Short, c'est la même chose que TikTok. Hein. Tu m'auras pas, mon Kenshiro. Hein. C'est exactement la même chose, hein, si jamais, je dis ça, si jamais. Je pense pas que ce soit le cas, hein, vu que tu m'as dit, ouais, TikTok, non. Je n'y vais vite fait, ouais. Bon, allez, 5-0, est-ce qu'on a de la chance, est-ce qu'on n'a pas de chance?
Oh, attends, 4 4 avec Big Move, 4 pièces en or avec Big Move, pas mal, hein? Pas mal, pas mal. Eh, attendez, je me suis mis bien, là. 10 pièces d'or. Trop bien. Attendez, on save, hein. On save, on save. En vrai, de vrai, attendez, là, dans mon équipe, qui est-ce qu'il faudrait qui est Big Move? Qui est-ce que ce serait sympa qui est Big Move? Elle, elle a déjà Big Move. Let's go gambling. Mais j'ai déjà ce que je veux, mon Rémi. En fait, je faisais le gambling pour avoir ce Dracule, littéralement, et pour avoir Goldie. Maintenant, je les ai, hein. Maintenant, je les ai, donc j'ai plus intérêt à gambling. Oh, dang it. Okay. Ah non, si, oui, si. Je sais ce que je veux. Je sais ce que je veux. Je sais ce que je veux. Je sais exactement ce que je veux. Hop. J'ai jamais pu l'avoir. Hop, hop. Magnifique. Mais du coup, non, c'est pas du gambling. Mais je veux le Shaxel. J'aime trop Shaxel. Je le trouve trop stylé. C'est vraiment une fusion que je trouve très bien faite entre Shaun et machin. Du coup, voilà, je suis content. Tout ça pour ça. C'est sûr que vous vous attendiez à quelque chose de fou. Absolument pas, je voulais juste un perso. Voilà. Eh, hey, c'est un attaquant R. Eh, je pensais que ce serait un type feu, mais c'est un attaquant R. Oh. Oh. Attendez, en attaquant R, pardon. En attaquant R, ici, j'ai Flora. En attaquant R, ici, j'ai Flora. Et attendez, Shaxel avec les couleurs de Hayden. Ça peut bien rendre, en vrai. Shaxel avec les couleurs de Hayden. Hop. Hop. Du coup, là. Donc, du coup, avec Félix. Attendez, 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 attendez. Oh. Alors, ça fait pas aussi bien, mais il y a quelque chose. En fait, là, c'est si Axel, il avait fusionné avec Hayden. Oh si, en vrai, il y a un truc, hein. Oh, il y a un truc de ouf, hein. Oh si, il y a un truc de ouf, les gars. Oh, j'aime beaucoup, hein. Oh, il y a un truc de ouf, hein. Je vais sur Valo, vas-y, vas-y, mon Kenshiro, vas-y, vas-y, vas-y. Je préfère comme ça, c'est trop stylé. Ah ouais? J'aime bien, hein. Shaxel, en même temps, j'aime bien son design de base, en fait. J'aime bien son design de base. Attendez, je vais re-regarder quand même avec, avec Félix. Shaun et Félix, quand même. Oh, running it. Désolé, mon Rémi. Non, non, là, ça fait trop Hayden. Non, 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 non. Non, on reste là-dessus. On bouge pas, on bouge pas, on bouge pas. Par contre, attendez, au début du live, elle était niveau 1, hein, Félix. Elle est déjà niveau 40, les gars, hein. De base, elle était niveau 1. Hein. Par contre, j'ai l'impression qu'elle monte très très haut en dribble, ce qui me fait plutôt plaisir. Parce que là, niveau 40 avec 99, ça veut dire qu'elle peut monter potentiellement à un 200, à un potentiel 200 de base avec, avec le level 99. On va dire à peu près 200. À peu près 200 plus... Ce sera pas 200, hein, bien sûr, ce sera genre 190 ou un truc comme ça. Plus 200, bah ça fait déjà 400 de base. À peu près 400 de base en dribble. C'est plus que pas mal, hein. C'est plus que pas mal. Je vais regarder sur internet. Du coup, c'est Félix. Félix tout court, ok. Félix Inazuma. Hop. C'est Katia Félix qu'elle s'appelle. Ses stats dans Galaxy au niveau 99. Ah, elle a que 170. Ah, elle a que 170, donc ça fait que 37 de bonus. Hmm. 37 de bonus, c'est pas énorme. Hein. 37 de bonus, c'est vraiment pas énorme. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Parce qu'elle est très intéressante, hein, quand même. Hein. Enfin, niveau couleur, elle serait très intéressante. Hein. Sur Galaxy, je me demandais qu'est-ce qui était le plus intéressant, l'histoire ou le post-game? Le post-game de ouf. Hein. Mon Kenshiro, de toute façon... Je passe ma vie à faire le post-game de Galaxy, hein, c'est une dinguerie. En fait, ce qui est intéressant, mon Kenshiro, dans Galaxy, c'est que littéralement toutes les techniques du jeu sont droppables, tous les talents du jeu sont droppables, tous les esprits guerriers sont droppables,
Tous les totems sont droppables, à part bien sûr celle de l'équipe opposée. Par exemple, sur Bing Bang, tu pourras pas avoir les totems de Supernova, enfin de l'équipe de Supernova. Et pareil pour les techniques et pour les personnages. Bon, après, il faut faire des échanges, mais voilà, t'as capté. Et c'est tout en vrai. En fait, littéralement, dans Galaxy, tu peux avoir tout ce que tu veux. Et en plus de ça, c'est vraiment. Bah, le jeu où est-ce qu'il y a le plus de techniques différentes, le plus de techniques des anciens jeux, le plus de techniques de tout en fait. Genre juste tout est trop bien. Et les matchs sont intéressants, sont plus rapides que Chronostone. Niveau drop, si je me trompe pas, c'est un petit peu mieux que Chronostone. Tu as le jeu 100%? 100% je crois pas. Je sais pas en vrai. Je sais pas. Mais en fait ce qui est vraiment kiffant du coup mon Kenshiro, c'est littéralement de faire en fait, littéralement par toi-même. Il faut le faire par soi-même, tu sais, mon Kenshiro. Parce que bah c'est là où est-ce que... Et c'est bien. Hein. Après, en vrai, tu fais ce que tu veux, mais personnellement, je trouve que c'est mille fois mieux de le faire par soi-même. Après... Mais du coup, non, je l'ai pas à 100%. Je l'ai pas à 100%. Enfin, j'ai pas de save à te donner, mon Kenshiro. J'ai pas de save à te donner. Après, en vrai, avec No Farm For Me, voilà, tu peux faire ce que tu veux, mon ref. Hein. Tu peux faire ce que tu veux. Hop. Ah, dommage. J'ai cru qu'avec Zugé, j'arriverais à récupérer ça. Ouh, attendez. C'est dommage, là, pour Vladimir. Je vais faire Dismiss. Tac. Comme ça, je lui fais la passe. Et il peut retirer une deuxième fois. Avec... hop, magnifique. Ma game commence, j'entends, mais je serai moins présent sur le chat. Y'a pas de soucis, t'inquiète pas, mon Kenshiro. Y'a pas de soucis. Profite bien de ta game de Valorant, le jeu multiplayer de tir FPS en équipe. Bref. On dirait une IA un peu, genre. Le tir FPS, le jeu FPS d'équipe machin mes couilles. Bref, t'as capté le délire. Hop, ce serait bien de récupérer la balle là pour pouvoir passer assez rapidement. Oh, Vladimir. Vous voulez pas de save, c'était juste pour savoir. Ah d'accord. Non mais du coup j'ai pas à 100%. Enfin en tout cas je pense pas. Parce qu'en soi il faut quand même que je farme etc. J'ai pas encore fait la plupart des rangs S. Ouah non mais là c'est de l'abus. Wesh il m'a donné la balle. Il me l'a donné genre et je viens de lui donner. Cette échange de Golemon. Oh, tir feu follet. J'aime bien cette technique en vrai, mais si je me trompe pas, dans Galaxy, c'est une technique équilibrée, donc juste elle sert à rien en fait pour un attaquant quoi. Est-ce que je peux retaper? Ouais, je peux retaper, magnifique. Magnifique. Au moins ça me fait un but supplémentaire. Putain, et Vladimir, il est vraiment polyvalent. Enfin, pas polyvalent, non. Il peut vraiment enchaîner les tirs, genre c'est trop bien avec ses deux esprits guerriers comme ça. Dinguerie. Et là j'ai juste à taper une fois avec l'un des deux, faire la fusion et retaper et c'est fini, tu vois. C'est trop bien. Je vais invoquer bon, sur Samford, tiens. Ouais, je me doute qu'ils vont passer à Circulus à un moment. Non, pas du tout. Très bien. On va faire Willy, on sait jamais. Non, ça ne passe pas. Ouh, il aurait fallu que j'invoque là. Y a moyen que je prenne un but là. Ouais, Odin Sword, quoique, mais y a moyen que je prenne un but. C'est chaud. Ouais, c'était sûr. Ah, dommage. Bon, j'aurai pas le 5-0 cette fois-ci. Dommage. En plus, c'est bien parti là avec, avec Vladimir et tout. J'aurais bien aimé. Hop, on va passer là, comme ça je tape. Magnifique. Je regarde mon Discord deux secondes, excusez-moi. Hop. 4-1, magnifique. Allez, plus qu'un but, comme ça on fait genre... On fait genre. Mais en fait, vu que je mets tout le temps des buts, au niveau de la possession de la balle, etc., et ben ça fait que c'est un peu chiant. Parce que du coup, en fait, à chaque fois que je mets un but, et ben c'est eux qui récupèrent la balle. Et ils la gardent pendant v'là longtemps, les enculés.
Ils me laissent pas récupérer la balle, parce qu'ils ont des stats de fou furieux. C'est trop chiant. Hop. On va invoquer sur Shaun en vrai. Comme ça, je repasse direct. J'aurais bien essayé de refaire un hommage. Vas-y, on va essayer de faire ça. Objectif, là maintenant, faire un hommage. Objectif, faire un hommage. J'en ai jamais fait de ma vie. Je vais désaccélérer le jeu. Je vais remettre à la vitesse de base. Ça va me faire bizarre. Ça va me faire bizarre, mais on va essayer de faire ça. Hop. Oh, c'est trop bizarre. Oh, ça fait trop bizarre, sa mère. J'ai l'impression que c'est au ralenti, carrément. Alors que, techniquement, non, c'est juste la vitesse de base du jeu. Hop. Magnifique. Normalement, wesh, winning logic, ça passe pas. Mais je vais quand même me prendre un but, là. Je vais quand même me prendre un but. Non, mais c'est une dinguerie. Après, là, je suis peut-être avantagé élémentairement. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire, en vrai. Ça devrait le faire. Ok, c'est bon. Ouais, j'avais l'avantage élémentaire, donc ça passe. Oula, non. Oh, récupère là, magnifique. Dommage. On va faire Judgment Trail. Et ce que je vais faire, c'est que je vais invoquer du coup sur Zuge. Ah, mais elle appuie sur Miximax. Zuge, elle appuie sur Miximax. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'amener là. Et je vais avancer les deux en même temps, en vrai. Dans tous les cas, lui, je le passe. Ça va être chiant pour celui qui arrive après, mais ça va le faire. Ça va être chiant pour celui-là parce qu'il y a totalement moyen. En vrai, de vrai, attends, je le fais patienter un peu. Faut juste que je me mette vraiment juste là. Et en vrai, Liquid Flow, ça peut le faire. Hein. Ah, le bâtard, putain! J'ai fait tout le terrain pour au final que ce soit annulé sur ça. Ouh, let's go. Ah, en vrai, attends. Attends, là, du coup, je vais être plus rapide. Ah, mais là, il va encore me voler la balle. Allez, allez. Ah, non, je pense que ça passe pas. En fait, je sais pas comment on fait un hommage. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je sais pas comment on fait un hommage. Attendez. J'ai une idée, en vrai. J'ai une idée. Allez, passe là. Merde. Bon bah... J'ai sélectionné un autre personnage. Là, j'avais aucune chance de réussir, là, pour le coup. Putain, je voulais trop faire un hommage. Mais j'arrive pas. Magnifique. Allez, on peut le retenter encore, là. En vrai, là, je peux les passer, hein, je pense. Peut-être plus avec Buddy. Attendez. Peut-être plus avec Buddy en vrai. Il y a peut-être plus moyen. Je pense que je peux les passer là avec Jackknife. Ouais. Là je les passe. On fait la petite pause ici. Lui il est là, il est bon. Ok. Ah non, c'est pas là. Mais en fait le problème c'est qu'il s'avance jusqu'au milieu. Les bougres ils s'avancent jusqu'au milieu. Donc du coup ça marche pas. Ça marche pas. Pourtant, j'avais cru comprendre comment ça marchait. Ah bon, là, il arrête. Hein. Il arrête. Bon, au moins, on aura fait le 5-1. Je vais réaccélérer le jeu, hein, bien évidemment. Hop. 155, magnifique. Oh, c'est déjà plus agréable. Hein. Ouais, c'est déjà mieux, quand même. Et du coup... 5-1, est-ce que ça va nous apporter les Ranker Boots? Pas du tout, ça nous donne encore un Destruction Pendant. Dommage. En vrai, de vrai, du coup, j'ai envie de commencer à mettre ce genre de choses. Bah, du coup, à genre Shaun, pour qu'on voit à peu près ce que ça donne. Byron aussi, techniquement. Il y a Byron en milieu de terrain. Il y a aussi Axel, c'est vrai que... Ah, c'est vrai que du coup, j'aurais un duo de milieu de terrain. Axel et Shaun, techniquement. J'aurai un duo de milieu de terrain Axel et Shaun.
Ah non, là du coup ça fait R, R. Tac, du coup ça donnerait ça. Axel Schoen, double milieu de terrain. En vrai de vrai, si je veux repositionner tout ça, ça donnerait ça. Là ça fait bois, bois, bois qui est là. J'aurais dit là plus, comme ça ça fait terre, terre. Terre, terre juste là. Le type R du coup, on mettrait plus là, comme ça ça fait R, R, R. Feu, feu, c'est un peu chiant en vrai. Faudrait plus inverser comme ça, mais donc du coup, le bois il peut pas être là, donc il devrait être là, donc ça ferait feu, feu, feu. Je sais pas pourquoi je fais ça spécialement, mais j'aime bien. J'aime bien en fait que les types soient bien répartis sur, sur le terrain. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. J'aime bien que ce soit bien réparti. Lui, dans tous les cas, il y aura un tir de loin. Eux, ce sera des chains. Là, ce sera un chain aussi. Lui aussi tire de loin. Après, elle va être incroyable, elle, en défenseur. Elle est trop, trop, trop stylée en défenseur. Et donc, du coup, ouais, techniquement, là, ça nous fait un duo de milieu de terrain, Axel et Schoen. Ce que je trouve plutôt drôle. Et ils ont tous les deux la même stat de dribble. Mais Schoen a plus de défense. Et Axel a plus de frappe. Schoen a beaucoup plus de défense. En fait, Axel est beaucoup plus équilibré sur les stats du bas. Et Schoen est plus rapide. Techniquement, j'ai envie de dire Schoen a des stats plus intéressantes pour un... Pour un attaquant, peut-être. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Je sais pas, en vrai. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Attends. Mais du coup, on commence déjà à mettre des équipements pour la prochaine équipe. On va faire une petite save. Hop, hop. Hop. Et puis, bah écoutez, dernier match pour ce soir. J'espère qu'on aura les ranker boots. J'espère, 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 j'espère. Dernier match pour ce soir, il est 23h24. En vrai de vrai, vu qu'il y a eu la petite pause toilette. Comment dire, je rajoute un match... à notre préparation, vous voyez ce que je veux dire. Comme ça la VOD fera un tout petit peu plus d'une heure, ce sera mieux pour les gens de la VOD, je pense, en tout cas, je pense. Hop, magnifique premier but. Bon, en fait on est plus étonné que les joueurs mettent des buts, ils sont devenus tellement forts à force. Ils sont devenus tellement forts. Vous savez quoi, j'ai envie de jouer autrement, j'en ai marre de faire le duo là. Tu sais quoi, on va mettre Dvalin là. On va mettre Byron là. Quoique non, vaut mieux jouer un peu Guan. J'aime bien jouer Guan. Il est cool. Mais je vais quand même mettre Vulpen juste là. Ça me paraît rigolo. Puis on va rester là-dessus. Hein. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît déjà pas mal. On va essayer déjà de mettre un but, un 5-0 comme ça, ce sera pas mal. C'est vrai que je voulais faire des nommages là tout à l'heure. J'aimerais bien réussir à faire un nommage, mais si j'ai bien compris, en fait, pour faire le nommage, ce qu'il faut, c'est que le joueur continue d'avancer en étant vers le but. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, en fait... qu'on attire du coup le gardien qui soit là et que notre joueur avance tout simplement juste là. Vous voyez? J'aurais pu tirer, hein. je suis un golemon, mais je voulais je voulais présenter la strat en fait. Après Rocamer. Ah non, ça passe pas, dommage. Ouh, belle récupération de Guan Yu, mais je fais de la merde, donc forcément ça ne passe pas. Oula 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 oula, doucement. Doucement, il s'en passe des choses là. Hop, on va passer sur le Caleb. Le petit Circulus qui, en vrai, là, est bien positionné pour ce qu'on veut faire. En fait, j'ai l'impression qu'il faut vraiment... Ah non, ok. Ah ouais, non, en fait, il faut pas qu'il s'arrête et tout. Non, c'est chaud, hein. Mais je crois que j'avais la bonne disposition et qu'il fallait... et que c'était à peu près l'idée du truc. Genre... Ah, attendez. En gros, il faut que j'arrive
Oh merde, je l'ai fait sortir comme un golemon. Non, ça c'était con de ma part. J'aimerais bien réussir au moins un hommage. J'aimerais bien en avoir au moins un. Oula, ouais, non. Du coup, justement, je vais m'arranger pour aller là. Et lui, là. Non. En fait, il faut qu'il arrive là. Vous voyez le délire ou pas? Voilà. Non, non, non. Ah non. Oh, attendez, c'était pas mal, ça. J'étais pas très loin, je crois. Je crois que j'étais pas très loin de ce qu'il fallait faire. Là, si j'avais pas été en accéléré, je pense que j'aurais réussi à le faire. Je pense que j'aurais réussi à le faire. Attendez, attendez. En vrai, c'est pas facile hein, de mettre un hommage en accéléré. Hein. C'est un peu le mode difficile du défi. Mais je veux y arriver. Je veux y arriver, je veux y arriver. J'aimerais bien réussir avant la fin du live. Ce serait cool. Réussir à lâcher le petit hommage. Petit Willy Willy. Oh, magnifique. Je pensais pas que je récupérerais là. Je vais envoyer en profondeur là-bas. Ouais, non, par contre, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. On va tempo. Ah putain, dommage. En fait, je voulais trouver une occasion pour récupérer ça. En vrai, si je passe directement là. Est-ce que le chaman y suit ou pas? Eh ouais, il suit, hein. Il suit, il suit, il suit. Comme la région d'y suit, lol. Lol, c'est rigolo, non? C'est rigolo, la région d'y suit dans Pokémon et tout. Moi, je trouve ça rigolo. Ah merde, mais du coup... ouais, mais là, j'ai juste perdu la balle. C'est sûr à 100%. C'est sûr à 100%. Oh, quoi? Oh, ça passe. Ah, mais non, mais il s'avance, du coup, vu qu'il était dans la trajectoire. Ah là 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 là. Et vous voyez, en deux passes, littéralement, ils sont au niveau du goal, hein. Qu'est-ce que j'aime, cette musique, par contre. Hop. Allez, on va retenter une tentative. C'était la pire tentative de l'histoire. C'était la pire tentative de l'histoire. Elle avait aucun sens, cette tentative. Et jamais je la récupère. Allez, Twitch, bannez-le moi. Là, en vrai, attends. Attends, attends. Parce que elle, si j'active son esprit guerrier, elle peut passer là et peut arriver là. Et donc, par conséquent, si après je fais la passe là, il y a un délire. Il y a un délire, il y a un délire, il y a un délire. Hop. Hop. Là, comme ça, en plus, je vais pouvoir bien me la positionner juste là. Lui, je vais me le mettre vraiment juste là. Hop. Là, je suis sûr de passer, normalement. Quoi? 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 Ah ouais, non, mais s'il me lâche des critiques au pire moment, non. Non, il m'a lâché un critique, dégoûté. Dégoûté, dégoûté. Oh, vas-y, c'est pas grave, on va retenter. Là, il va falloir que j'en passe deux. T'as réussi à me faire rire, Monkey. T'as réussi à me faire rire. Bravo, 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 bravo. Il a réussi à me faire rire avec un coup B, hein, vraiment. Le niveau d'humour dans ce stream, c'est affligeant. Hein. C'est affligeant, c'est affligeant. Hop, hein. Et donc là, logiquement, je fais là comme ça, dès qu'il est là... Quoi? Mais... Ah ouais, mais du coup, ça lance le truc. En fait, je crois qu'il faut que je vise juste là. Faut que je vise juste là, et pas... pas là comme ça. En fait, il faut que je vise sur la barre qui est juste là. Tu parlais de KK, j'ai pas cherché bien loin pour celle-ci. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, bah ouais, du coup, là, c'est mort. Aïe, 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 dommage. Oh, attendez, peut-être une autre occasion. Peut-être une autre occasion. Si je lui passe à lui... oula. Alors là, c'était la pire tentative de ma vie. Pire tentative de ma vie. Non. Warp step, en vrai, ça peut passer. Hein. Oh, dommage. Dommage, dommage, dommage. Non, j'aurais bien aimé réussir le nommage. J'aimerais bien réussir le nommage. Hein. Au moins avant la fin. Allez. Oh, attendez, là, il y a moyen. Il y a moyen, il y a moyen, il y a moyen. Toi, tu t'arrêtes juste là. Juste là. Et toi, tu vas là. KH3, finito, GG. GG, mon Rémi.
Oh merde. Oh, en vrai, je crois que j'étais pas mal, hein. Je crois que j'étais pas mal, hein. En fait, il faut qu'il soit limite dans le but, je crois. Je sais pas. Je sais pas du tout, frérot. Je sais pas du tout, les frérot. Bon, on a quand même gagné 1-0. Et on finit magnifiquement bien avec les Ranker Boots qu'il me fallait. On a fini parfaitement. Bon, j'aurais pas réussi, du coup, à faire le petit nommage. J'aurais pas réussi, mais au moins... Au moins, on a fini pour les Ranker Boots. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est des Legendary Boots sur littéralement tous les joueurs, donc comme ce Vulpen. Donc, il nous en faudrait, je vais compter vite fait, Guan, du coup, ça fait 1, 2, 3, 4... Attendez, Terry, il y en a ou pas? Ouais, il y en a. Je vais recompter. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8 et 9. Il faudrait 9 Legendary Boots pour finir du coup tout ce qui est crampons dans l'équipe. On essaiera du coup d'avoir ça pour la prochaine fois. Je vais en profiter pour mettre vite fait le Destruction Pendant juste ici qui va très bien aller à ce très cher Byron. Magnifique, magnifique. Et puis sur ce, bah écoutez, c'est là-dessus qu'on va finir cette VOD. YouTube, attendez, j'essaie juste de passer à la bonne scène. YouTube, j'espère que vous aurez passé un agréable moment en notre compagnie. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch pour rencontrer les incroyables personnes que vous avez vues dans le chat pendant tout ce live. N'hésitez pas d'ailleurs, les gens du chat, à faire des petits bye YouTube. Sur ce, moi, je vous donne rendez-vous très très bientôt pour une nouvelle VOD. Normalement, il y en a une qui sort tous les soirs. N'hésitez pas à liker, vous abonner, à partager autour de vous. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Et comme le dit si bien mon monkey, un mot de la fin, ce sera... caca. J'ai juré, j'en dirai pas plus. YouTube, des bisous. Merci d'avoir été là jusqu'à maintenant. Likez, vous abonner. C'était ta neige. Ciao YouTube.